Good morgen, allez, Iden les sucera aujourd'hui, le Lunishmat Richard et Rodman, fortune et Mazal, ainsi que les fois Tranale à Bat Gitel Devora, Sarah Bat Nechama et Ephrat Bat Sarah, Betor Shah Chol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier la prochaine vidéo de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechach Kalim, Père Gimel, Mishnah Gimel. Shel Bet Rabban Gamliel, Hayan Ichnas, Veshiklo Benetz Beotav, Vezorko Lifne Atorem, Da Torem, Mitkaven, Vedorfo la Kupa. En atorem torem, al shiomar lahem etrom, ben omrim lo, trom, 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 shalosh pe'amim. Mishnah relativement simple, on traduit directement, shel bet Rabban Gamliel. Celui de Rabban Gamliel, c'est-à-dire l'envoyé, l'émissaire de Rabban Gamliel pour apporter son machasit à shekel au bet amigdash, aya nichnas, il entrait, ve shiklo ben etzbeotav, il avait, il tenait le shekel entre ses doigts, ve zorko lifna torem, il lui envoyait devant le torem, devant celui qui était entré dans la lishka pour ramasser les shkalim, il l'envoyait devant lui, va torem mitkaven vedorfo la kupa. Et celui qui était venu faire la tourmata lishka, il le prenait et il mettait un smatch pour le faire entrer dans le panier. Soit, on explique, c'est très simple. Une notion qu'on a déjà évoquée et qui va un peu refaire surface pour cette mishnah la prochaine. On a déjà expliqué longuement que un korban tzibour, un korban qui est public, c'est un korban qui appartient à tout le peuple d'Israël. Appartenir à tout le peuple d'Israël, ça ne veut pas dire appartenir à Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Dan, Naphtali et tous les 600 000 juifs. Ça veut dire appartenir à tout le monde. On n'est même pas à Shutaf, c'est une caisse publique. Ça implique ça que, concrètement, pas que en théorie, concrètement, lorsque, maintenant on a commencé, on a un problème technique. On commence à réunir tout l'argent du Ham Israël, d'accord ? Logiquement, depuis qu'on a donné le coup d'envoi en Hadar d'apporter les Shkalim, jusqu'à qu'on va arriver au début de Rosh Chodesh Nissan, il va y avoir ceux qui habitent à proximité d'Yerushalayim, ils vont déjà apporter leur Machatzit HaShekel. Mais les plus éloignés, ils ne vont pas encore apporter leur Machatzit HaShekel. Ça va prendre du temps jusqu'à que ça arrive, ça va prendre quelques semaines, quelques mois. D'accord? Malgré tout, depuis le premier Nissan, la Torah nous dit, attention, Midei Chodesh Bechodesho, vous devez apporter maintenant les nouveaux korbanot de la nouvelle année, à partir de la nouvelle récolte de fonds. Donc du coup, on va voir le Torem, celui qui va venir, le trésorier du Beth Amikdash, enfin l'émissaire qui va venir prendre le sceau qu'on avait pris. Il va ramasser l'argent pour tout quand il va ramasser l'argent, il va en faire bénéficier pour tout le peuple d'Israël, même ceux qui n'ont pas encore apporté leur marxiste à chacun. D'accord? Malgré tout, la Mishnah nous raconte qu'il y avait un usage original de la maison de Rabban Gamliel, le Nassi de l'époque. Il attendait que le Torem, donc qu'on allait partir ramasser la Lishka, partir ramasser faire la première levée de fond, lever le premier seau de la Lishka, de la cabine, où on entassait l'argent. Il arrivait là-bas à ce moment-là quand il était dedans, et puis il lui envoyait son Machatzit HaShekel pour que le Machatzit HaShekel du Rabban Gamliel, du Gdolador, qu'il allait entrer dans la Kupa. Concrètement, il n'y avait aucune nécessité à faire ça. Même si l'argent il va tomber dans les autres shkalim, il s'acquitte Rabban Gamliel comme n'importe quel juif que son machatzit shekel n'est pas entré dans la caisse. Mieux que ça, si mon machatzit c'est pas malheur, mon machatzit shekel qui rentre dans la kupa, j'ai l'intention de rester le possesseur de mon machatzit shekel, j'abîme, je mets à défaut tout le peuple d'Israël, parce que maintenant c'est au lieu que ce soit un korban tzibour, c'est devenu un korban qui appartient au tzibour et un peu à moi. Donc vraiment, quand il donnait le Machatzit HaShekel, il le donnait avec intention d'en faire bénéficier pour tout le peuple d'Israël aussi. Malgré tout, pour avoir le sentiment d'avoir que mon Machatzit HaShekel, que j'étais Torem, finalement il a été sélectionné pour acheter les korbanot, pour le Shem Chavivut à Mitzvah, la Gemara elle dit, pour être Michavev la Mitzvah, pour montrer combien elle a de la valeur et combien elle est chère devant lui. Alors c'est pour ça qu'il faisait, il avait cet usage d'entrer, d'attendre le moment où on levait le seau pour apporter son Shekel, comme ça il était sûr que son Shekel, il était arrivé à bonne destination, d'accord? Ok? Si on peut comparer, c'est comme si vous donnez de l'argent à une yeshiva. Concrètement, pour donner de l'argent à une yeshiva, il y a besoin de payer les gens qui enseignent la Torah, de payer les avrichim, de payer de trucs, et de payer aussi le cuisinier, et même aussi de payer le papier toilette et celui qui fait le ménage, qui n'est même pas juif. Mais ouais, bah malgré tout, ça fait partie des frais de la yeshiva. Malgré tout, quand on donne 100 shekels à une yeshiva et qu'ils ont besoin de 1 million de shekels pour pouvoir vivre, eh ben ils vont. N'importe quel sou que vous allez donner, il va se répartir un petit peu dans toutes les. Dans toutes les caisses, tous les besoins nécessaires, malgré tout. Imaginez que votre billet que vous avez mis, il est parti pour le plus grand tzaddik de la yeshiva. Ça laisse un sentiment un peu,
Vous avez eu la chance que c'est votre argent qui a été sélectionné pour la bonne cause, d'accord? C'est le même principe. Deuxième partie de la Mishnah. En atorem torem ad sheyomar lahead sheyomar lahem etrom. Attention. On avait appris dans la Mishnah précédente, lorsqu'il entre dans la lishka pour prélever, pour lever le premier seau, alors on avait appris qu'il devait veiller à ce qu'il n'y ait aucun soupçon d'éventuel vol, quoi que ce soit. Et puis, alors, il arrive là-bas. Et avant de commencer à lever le fond, alors ceux qui étaient restés dehors, ils lui disaient, et alors il leur criait, il dit, Etrom, ça y est, je commence la trauma, Vem omrimlo trom. Ils lui disent, oui, prélève. Et il répétait ça trois fois, c'est-à-dire, je pense que ça c'était en aller-retour, Etrom, Etrom. Trois fois, comme c'est fréquent pour renforcer la chose, pour faire diffuser la chose, donner plus de valeur, on le faisait trois fois, comme ce qu'on a lu quand on avait commencé la lecture du Homer, je ne sais pas si vous vous souvenez, Magalze omrimlo hen, Magalze omrimlo hen, Hector, 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 et chaque fois on répète trois fois pour donner plus, mais faire mettre un peu plus d'ambiance dans ce qu'on fait. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Sela.